Et salut à tous, bienvenue dans cette deuxième session sur Massacre à la tronçonneuse sur la bêta. Toujours un grand merci à la Cooldown TV, je laisse le lien de leur chaîne dans la description. On joue survivant, j'en profite vite fait avant que ça se lance vu qu'on est full. On peut voir ici, on peut plus une fois que une fois qu'on a dit ok. Il y a plein d'arbres de compétences de machin qui vont arriver, donc il y a beaucoup d'idées, de contenu qui sont prêts. Vous allez voir, survivant, ça risque d'être une game très courte. Et si c'est le cas, j'en ferai une deuxième vite fait. Parce que je suis pas très bon et en plus c'est assez dur. Donc ça fait quand même deux raisons de mourir. Sachant qu'on ne va pas pop forcément les uns à côté des autres et qu'il va falloir se trouver. Un peu comme dans Dead by Daylight. Mais de ce que j'ai vu, on peut facilement pop à côté d'un allié. Et à partir de là, bah, il suffit juste de rester planqué proche de lui et surtout de ne pas faire trop de bruit. Ça va être surtout ça. Comme dans ce genre de jeu souvent. Parce que se faire détecter, c'est le décès assuré. Même s'il n'y a pas ce côté les traces rouges partout quand on court, ce qui fait que vous pourrez fuir et vous planquer plus facilement, et ça c'est quelque chose que j'aime bien, que je comprends dans la mécanique de jeu de Dead by Daylight, mais qu'on ne retrouve pas dans les autres jeux dans ce genre, et c'est quelque chose que je trouve assez chouette justement. Évoluer dans l'ombre et le silence, trouver des objets utiles, débloquer des sorties, échapper à la famille. Ok, let's go. Ah, les vieilles images, tu te dis pourquoi ça me montre dehors, pourquoi ça me montre moi, pourquoi je suis à l'envers. Hop. Alors vous voyez, il y a un peu une barre, faut pas faire trop de bruit. Voilà, lui il a fait du bruit en se libérant, il a montré où on était. Bravo monsieur. Et toutes les actions vont se faire un peu comme ça, il suffit d'appuyer en étant calme. Mais on est deux, c'est très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Non. Mais faut arrêter de tous faire du bruit. Mais il... Oh là 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 là, il est dans la merde. Il est... Voilà. Oh putain. Il est parti vers là-bas. Très bien. Oh merde! Je me suis relevé exprès comme un débile. Et c'est ça, récupérer fragment d'os. Fragment d'os, c'est assez long à prendre. Ça nous permet de nous défendre. Je suis retourné au début. Je suis tout seul. Bien joué. Ah, vous avez réveillé Grumpad. Grumpad qui a visiblement pas aimé son repas. Il dort plus. Il bouge plus. Ok, on est scanné. Ce qui est bien, c'est que ça nous scanne aussi les alliés, ce qui nous permet de nous regrouper. J'entends un bruit de tronçonneuse qui me plaît pas beaucoup. Wow, papa, 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 papa. Vite, 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 vite. On passe. Au moins, c'est ouvert pour les prochaines fois. Est-ce que je vous ai dit que j'étais nul à ce genre de jeu? Pas du tout. Oh ta race. Est-ce qu'il m'a vu? Oui. Papa, 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 papa. Ah, je pense que je suis mort. Ah, il y a peu. Oh, ça va tellement vite. Ouais. C'est pas obligé de me montrer ta tête de mec satisfait de m'avoir tué. Ok. Ok. C'était sympa, hein. Attends, est-ce qu'il y a un truc à faire? On va aller chercher un autre lobby. Effroyable. Effroyable, je suis vraiment mauvais et c'est très frustrant sur ce genre de jeu en tant que survivant. Je vois des gens jouer, typiquement Dead by Daylight, quand je regarde des mecs qui jouent en stream, je trouve ça incroyable votre niveau de jeu les mecs. Moi j'en suis incapable et c'est très frustrant parce que ça donne pas envie de jouer, ça donne le fait de se faire victime tout le temps. Bien sûr, on n'apprend pas en se disant juste j'y arriverai pas, hein. Il faudrait que j'y joue un peu, il faudrait que je force. Mais c'est hyper chiant. Alors comme il n'y a pas encore tout le monde vite fait, voilà, on voit les persos. Ok, soit. Il y aura des trucs, on va pouvoir commencer avec des armes différentes et des perks, des habilités, etc. Arbre de compétences, donc il y a pas mal de choses. Du cosmétique, ça on s'en fout, c'est du recolor en plus. C'est pas incroyable. On va voir un autre perso, ce qui est un peu dommage, c'est que là on peut pas cliquer pour savoir quelles sont nos stats. C'est pas grave, mais on sait pas trop. On peut pas choisir son personnage, c'est pas grave, mais bon. Surtout chez les méchants, tu vois souvent un méchant qui arrive et qui fait ah bah c'est pas lui que je veux et il se casse. Parce que tout le monde a envie de jouer le mec à la tronçonneuse et c'est logique. Allez, bim, direct.
Ouais. Tout le monde a envie de jouer ce mec, donc t'es obligé de faire une recherche de lobby, tomber dans le game et se faire « Ah, super, je suis l'autostouffer !» Bon. Pour le moment, il n'y a pas de recherche à plusieurs possibles, et c'est tant mieux. Je trouve que ce genre de jeu, tu joues à 4 en lobby, en vocal, machin, ça enlève... Alors c'est très bien, hein, c'est le but du jeu de s'amuser avec ses potes. Et ça enlève un petit peu cet aspect survie sans connaître. Et typiquement, je trouvais ça d'ailleurs très drôle dans Vendredi 13, le jeu c'était très bien fait. Le vocal était, j'ai envie de dire, spatialisé. Donc si tu parlais et que tu étais loin des autres joueurs, ils t'entendaient pas. Et si Jason était loin, il t'entendait pas. Mais s'il était pas loin, il savait que t'étais pas loin également si tu parlais. Et c'est pour ça qu'ils avaient mis, par exemple, on pouvait looter des talkie-walkie qui permettaient de parler avec l'autre gens qui avaient des talkie-walkie. Et je trouvais l'idée hyper bien parce que il va se barrer. J'en étais sûr. Et il faut forcément un Leatherface. Ok, déjà ça, t'es obligé d'en avoir un. C'est bien. En même temps, c'est lui qui fait le jeu. Donc le prochain qui viendra, il aura Leatherface, il sera content. Mais à ce côté, il y avait un côté où il y a une vraie dimension survie mise par rapport au vocal et à la manière de l'utiliser. Et ça, je trouvais ça bien. Après, bon, bah, tu joues sur ton vocal en privé sur Discord, ça n'a aucun impact forcément. Mais c'était rigolo parce que tu pouvais le taunt, tu pouvais faire plein de trucs. Et ça, le fait qu'il y ait plein de jeux qui prennent en considération le son quand tu parles, etc., c'est bien, et il y en a plein qui le prennent pas en considération, et c'est pas bien, et surtout ceux qui le prennent, ben personne ne le... En fait, c'est pas pris vraiment en compte par la suite, parce qu'on passe tous par un vocal séparé, généralement quand on joue avec ses potes. Typiquement, Walking Dead, The Dead and Sinners en VR, permet d'avoir une option où si vous parlez, etc., bah, vous faites du bruit et vous êtes détecté par les zombies. Alors, c'est un jeu solo, donc pourquoi on parlerait ? Mais en vrai, si tu paniques, à un moment t'as peur, parce que le jeu est assez bien fait, mine de rien, et les zombies peuvent foutre les boules, c'est les zombies old school qui marchent et pas qui courent, eh bien vous allez en attirer d'autres, et c'est assez drôle. Clairement, quand j'ai joué, j'ai désactivé cette option. Je streamais, donc le but c'était pas de me faire capter parce que je suis en train de raconter ma vie. Mais voilà, c'était un petit plus assez intéressant. Évoluer dans l'ombre et le silence. Trouver des objets utiles. Débloquer les sorties. Échappez-vous. Échappez à la famille, monsieur, pas échappez-vous. Il faut arrêter de mettre ces deux images dites parasites d'un début de chargement qui est l'image de l'extérieur de la maison et notre corps debout avant qu'il soit accroché. Putain, ils se sont tous fait spot, quoi. J'aime beaucoup. On est dans un jeu. Et c'est moi qui vais mourir le premier, hein, ceci dit. Donc, on va déjà défaire ça. Ça va nous aider pour plus tard. Ça aurait pu être intéressant de faire des trucs... de pouvoir le faire à plusieurs, ça. Pour que ce soit plus simple... Le mec, I can use this. Il parle, comme ça le joueur il se dit « Ah, on peut faire ça ?» On l'a tous vu. On va fermer cette putain de porte. On est tous là, c'est bien. Mais là, il n'y a pas d'objectif. L'objectif est de l'autre côté de cette porte, justement. On s'en fout, arrêtez de parler. Il faut des crochets ici. Ok. Courir pour passer devant ses mates, les laisser mourir et prendre du soin. C'est comme ça qu'on joue. Ah, vite! Oh, j'ai réveillé papy. Ah, il y a quelqu'un juste devant lui. Vite. Yes, on a les crochets. Poussez-vous. Là, il sait qu'on est tous à côté. Il y en a encore un qui est encore accroché, j'ai l'impression. Genre, le mec, il s'en fout. Il s'est dit, je vais pas essayer de survivre.
Je vais lancer la game, je vais aller pisser, ça va se lancer tout seul. Oh, il peut péter ça aussi? Oh merde. Oh, c'est fermé là. Oh, ça veut dire que des fois c'est ouvert, des fois c'est fermé les trucs. Oh, ce serait ouf. Oh putain, il y a lui aussi qui est en bas maintenant. Ah, ça veut dire qu'ils ont ouvert la porte pour aller en haut. Oh putain, j'allais le dire. Quand on est sur un truc comme ça, on voit rien. Ce qui fait que c'est hyper compliqué. Même le bruit de la tronçonneuse, on entend moins. Mais il y a l'autre aussi. Ils sont tous là. Ils sont tous là. Vite. Pousse-toi, Gisèle. Ok, on s'est soigné. Oh, bâtard! Et puis lui, il me suit, donc il est chiant, il passe par les petits trucs comme moi. Je vais me planquer là, on va le tenter. Ok, il voit un peu les bruits, c'est son power. Il m'a vu, je pense. Il m'a vu, j'ai fait de la merde. Il m'avait pas vu. Non, il m'a pas vu. Oh, c'est une dead end. Ah, j'ai un beau polo bleu pour bien me planquer. T'as-tu vu les beaux polos bleus pour bien me planquer? Ouais, je sais, ferme ta gueule. Putain, c'est chaud de crocheter la serrure. Ouais, vas-y. Ok. Ah, rester immobile pour éviter la détection. Ah, c'est pour ça que... Trop bien. Donc lui là-bas, ils vont sans doute aller le voir. Il va falloir profiter pour bait un peu. Ah, le bâtard, il fait pas de bruit, lui. Eh, salut. Eh, ça, salut. Ah, merde, c'est pas ouvert. Vite, passe. Ah ouais, on a le temps de faire le truc, il peut pas me taper. Donc ça, c'est toujours un peu chiant, je trouve, dans ce genre de jeu. Allez, go. On va se foutre dans le... Avec le cadavre en face, alors tout va bien. Oh, il me voit pas. Oh. Trop bien, je suis planqué. Ok, personne ne pensera à venir me chercher ici, n'est-ce pas? Ah, par contre, je crois que plus ça va, plus on va faire. Ouais, on va respirer de plus en plus fort, je crois. Ah, putain, ils passent tous devant. Je pense que ça va pas bien se terminer. Switch a échappé à la famille. Il y a un mec qui a réussi à se barrer. Ah, l'enfoiré. Ah, putain. Qu'est-ce qui se passe si je reste dedans en entier? Parce que je vois que l'écran il va. Vas-y. Ah bah super! Bonjour! Ah bah c'est. Je pense que this is the end, my friend. My very friend. Eh bah on aura perdu une nouvelle fois. On n'est pas très bon, hein. On n'est pas très très bon. On n'en fera pas d'autres en tout cas. Ça ira très bien. Je pense que mourir deux fois, c'est suffisant. C'est bien trop pour un seul être humain. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à aller voir la game, les games que j'ai mis sur la Cooldown TV qui sont un peu plus longues du côté des survivants. Et puis, on se retrouve dans les prochaines games, les prochaines vidéos. Allez, salut!